Eh bien, maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire des deux pauvres cloches. Celles qu'on voulait malheureusement transformer en canon. C'était deux pauvres cloches, deux cloches un peu fêlées. Les gens les trouvaient moches et voulaient les remplacer. Et ces deux pauvres cloches, c'est pas bien folichon. De leur pauvre caboche, on a voulu faire des canons. Mais elles ne voulaient pas mourir, toujours et encore carillonner, teintées comme des éclats de rire pour tous les enfants du quartier. Et ces deux pauvres cloches se sont mis à chanter, se sont mis à chanter pour pas qu'on les décroche. Pour pas qu'on les décroche. Le canon des cloches fêlées. Le canon des cloches fêlées. Tous les gens du village, tous les gens du village, en furent si enchantés, en furent si enchantés, que malgré leur grand âge, que malgré leur grand âge, on décida de les garder. On décida de les garder. On décida de les garder. Car elles ne voulaient pas mourir. Toujours et encore carillonner, teinter comme des éclats de rire pour tous les enfants du quartier. Car elles ne voulaient pas mourir, toujours et encore carillonner, teinter comme des éclats de rire pour tous les enfants du quartier.